Salut, salut, j'espère que vous allez bien. Désolée pour cette voix un peu cassée, ce n'est pas grave. On se retrouve pour une vidéo solde, oui, enfin ma vidéo solde. En fait, j'ai perdu ma voix, je ne pouvais plus filmer pendant quelques jours et j'ai repris le travail. D'ailleurs, je vous avais fait un vlog reprise de travail maîtresse. Et donc, voilà pour enfin ma vidéo solde. J'ai grave, grave craqué chez Sephora. Donc je vais vous montrer tout de suite tout ce que j'ai acheté chez Sephora. Il n'y a que des produits soldés, sauf un, je crois bien, qui n'était pas soldé, mais il me faisait envie depuis très longtemps. Donc voilà, voilà. On commence tout de suite dans les produits soldés. J'ai commandé via le site Sephora. Alors je suis allée en boutique le premier jour, plus après j'ai commandé via le site Sephora parce qu'il y a des produits qui me plaisaient, mais qui n'étaient pas en boutique. Donc comme d'habitude, j'utilise le lien, enfin mon lien Igral pour commander sur le site Sephora et récupérer un peu de sous via mes commandes. D'ailleurs, pour ce produit-là et le deuxième qui m'a coûté une blinde, j'ai commandé via le site Ingrad. Comme ça, j'ai gagné, je sais plus, 2-3 euros, j'en sais plus. Je sais plus trop. Je vous mets à chaque fois le lien de mon Ingrad en barre d'infos si ça vous intéresse. C'est quand même top de cumuler un peu de sous quand on en dépense. Donc, j'ai commencé par acheter ce petit pack comme ça, en fait, chez Sephora. J'aime beaucoup les masques Sephora et là, je trouvais que c'était sympa parce que il y a un masque pour le visage, un masque pour les yeux à l'avocat, un masque au charbon pour le nez. D'ailleurs, j'ai jamais testé cela, je voulais le tester. Un masque pour les lèvres et un masque pour les mains et un masque pour les pieds. Donc voilà, il est un peu destroy, mais voilà, c'était 13 euros au lieu de 20. C'est pas une réduction de malade puisque c'était 30%, mais c'était cool. Et c'était avec une carte cadeau qu'on m'a offerte. Donc bah, j'étais super contente. Et avec cette carte cadeau, j'ai acheté aussi la fameuse... Oui, tout le monde le fait. Faut bien que je le fasse, non? La fameuse palette Huda Beauty. Voilà, c'est pour ça que j'ai utilisé le lien internet. Comme ça, j'ai cumulé un peu de sous. Je la voulais absolument. J'étais trop pressée de vous la montrer pour pouvoir moi aussi faire joujou avec. Voilà, elle est sublime, elle est sublime, elle est sublimissime. J'ose même pas mettre mes doigts dedans tellement elle est belle. En tout cas, je suis trop contente de l'avoir. Je crois que cette palette, c'est vraiment pas une déception pour beaucoup de gens. Donc, je suis hyper heureuse de l'avoir. Donc, voilà, mon gros cadeau, grâce à cette carte cadeau, je suis super ravie. En solde aussi, comme pareil sur internet, j'ai trouvé le fameux blush Papa Don't Peach de chez Too Faced qui coûtait 20 euros au lieu de 26, je crois, qui était à moins 30%. Donc, j'avais hésité à me le prendre plusieurs fois. Sur le site, je voulais aussi la palette où il y a le blush, l'highlighter, etc. Mais bon, elle coûte trop cher, elle n'était pas soldée. Donc là, je suis hyper ravie de l'avoir eu. Il est plutôt pas mal. J'ai toujours pas testé ce que j'attendais de vous montrer. Mais c'est une sorte de corail avec des petites touches un peu gold. Donc trop joli. Je vais le mettre dans ma salle de bain, je vais le tester très prochainement. Et là, tout le reste, c'est en boutique. Donc j'ai trouvé comme beaucoup de gens... Les fameux pouce-pouce pour les mains de chez Sephora. Donc un en mon oeil à 1,35€ au lieu de 4,50€. À 4,50€, clairement, je ne l'aurais jamais acheté. Hein. Un aux fleurs de cerisier. Un autre au coton. À la fleur de coton, pardon. Et le dernier à la mangue. Donc j'en ai pris 4, hein, je me suis fait plaisir. Je me suis dit, ça sert toujours. Pour les ongles, j'ai repris un bain dissolvant spécial paillettes, l'extrait de pêche blanche à 2,98€ au lieu de 5,95€. Donc je crois que c'était moins 50%, voilà. Ça vaut trop le coup. Moi j'adore ces trucs-là. C'est le seul que j'ai trouvé d'ailleurs. J'étais tout seul. Ça je l'adore. Le mien il commençait à être un petit peu vieux, donc je vais pouvoir le changer. C'est trop cool. J'ai repris un baume à lèvres. Un petit gadget, hein. Il y a des petits gadgets. J'ai repris un petit baume à lèvres comme ça chez Sephora. Vous savez là, les baumes à lèvres blancs. Super nourrissant. Qui m'a coûté, je crois, il n'y a plus le prix, mais ça 1€ ou 1,19€, je crois. Et c'était moins 70%. Il y a un petit parfum à la noix de coco de chez Sephora aussi à 1,35€ au lieu de 4,50€. Et un petit dissolvant pour emporter en vacances. Je trouve ça hyper pratique comme ça de 50 ml à 89 centimes au lieu de 2,95€. 2,95€, c'est pas sérieux. C'est quoi ce prix? Et mes trouvailles de dingue. Alors moi je trouve que c'est des jolies trouvailles. À moins 50%, j'ai trouvé deux rouges à lèvres Urban Decay. Donc ils étaient à 11€ au lieu de 22€. Il y a la couleur Shame et la couleur Venon. Venon, je pense que ça se dit. Venon. J'ai bien vérifié en magasin, hein, surtout faites attention qu'ils n'étaient pas swatchés. C'est les anciens packaging, vous savez, ceux-là, j'en ai déjà deux, je crois, comme ça. Et voilà, il me faisait trop envie. Celui-là, c'est une sorte de marron bordeaux foncé, il est trop beau. Trop beau, j'ai pas encore testé sur mes lèvres, mais ça ne serait tardé.
C'est le côté collectionneuse, hein, bien sûr, qui parle. Et le deuxième, donc le venon, qui est une sorte un peu plus de Bordeaux, je pense. Il est trop beau aussi. Donc voilà, c'est des couleurs que j'avais pas au niveau du Urban Decay, je précise, mais c'est sûrement des couleurs que j'avais un peu dans les autres choses. Mais à 11 euros, je ne pouvais pas résister. C'est comme si j'avais eu un acheté un gratuit, quoi. Voilà, voilà pour mes achats chez Sephora. Je vais vous montrer mes achats chez Zodio. Et puis après, je ferai une autre vidéo avec mes achats scrapbooking, etc. Parce que voilà, chez Zodio, non. Chez Zodio, mais j'ai rien. Ah si, chez Zodio, j'ai acheté que ça. Ah non, j'ai acheté trois trucs chez Zodio. Mais non, je vous montre. Pas chez Zodio, je vais vous montrer mes trucs que j'ai acheté chez Truffaut, pardon. J'ai acheté chez Truffaut deux brumes d'ambiance de chez Durance. Escapade en Provence, Creek de Cassis. Voilà, ça me rappelait les souvenirs quand je suis partie dans le sud. Je vous remets les vlogs avec Mélanie sur notre deuxième chaîne YouTube. Si ça vous intéresse, allez les voir. On est partie dans le sud toutes les deux avec Jennifer Passion. Et la deuxième, c'est Escapade en Provence, soirée sur la Riviera. Ce sont des odeurs hyper sympas. C'était 7,75€ au lieu de 15,50€. Voilà, donc c'est comme si pareil, j'avais acheté une gratuite un petit peu, on va dire ça. Hein. La fille qui essaye de se rassurer. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Et chez Truffaut, hein, oui, je crois que c'est... Chez Truffaut, j'ai trouvé aussi deux, mais c'était pas du tout soldé, ça c'est juste parce que j'avais envie de les prendre. Deux tartelettes comme ça, Yankee Candle, la Cherry Blossom, donc fleur de cerisier, et Dreamy Summer Night, songe d'une nuit d'été. Elles sont super bonnes, celles-là d'ailleurs. Je pense que je vais la mettre à brûler très prochainement. Donc voilà pour mes soldes Sephora et Truffaut. On va se retrouver dans une autre vidéo si ça vous intéresse. Plus Zodio, Cultura. Qu'est-ce que j'ai acheté d'autre? La fourmi créative et dans mes pochettes. Voilà. Donc on se retrouve plus tard pour une autre vidéo. Salut, salut!